Alors que se prolonge à Marseille la merveilleuse exposition Baïa initiée à l'Institut du Monde Arabe, nous avons le plaisir de présenter dans notre catalogue 6 œuvres de l'artiste algérienne, toutes issues de collections particulières françaises. Femme aux luttes est datée de 1979 et correspond à une période, après son mariage, où elle introduit les instruments de musique zoomorphe dans son œuvre. Dans cette décennie, elle travaille régulièrement des papiers teintés et fait un usage important de nouvelles teintes, notamment le violet. Femme cueillant des dates, réalisée vers 1945, illustre la première période de la jeune Baïa qui n'a que 14 ans. Le papier est laissé blanc, le visage est à peine esquissé, tandis que la chevelure, la robe et les palmiers sont éclatants de couleurs. Baïa dira que cette femme qu'elle dessine est probablement une manifestation du souvenir de sa mère disparue très jeune. La chevelure, les yeux, les éléments de parure sont très présents, tandis que le visage se dérobe sous le pinceau. Les trois dernières œuvres explorent la fin de la vie de Baïa. La figure maternelle est omniprésente dans l'œuvre de Baïa. Si cette source d'inspiration se maintient tout au long de sa vie, la grande artiste Baïa se renouvelle par ses coloris, par les attributs qui accompagnent cette femme et par le traitement du dessin qui évolue toute sa vie durant.